120 meters. That is the altitude of the village of Vaux-en-Romanée in Burgundy, where Anne Gros is famous for her wines. It is also the altitude of the village of Cazelles in the Minervois region of the south of France, where Anne Gros and her partner, Jean-Paul Tollot, have embarked on a new winemaking adventure. In 2008 was their first vintage. In August 2009, we took a stroll with Anne through the vineyards, and she showed us other similarities with Burgundy. Les grenaches, bon, on évite que les raisins se touchent, mais c'est pas comme des pinots, c'est pas si fragile en pellicule. C'est quand même assez ferme comme raisin. Au niveau de ce qui est là, normalement, on devrait pas y toucher. Par contre, les syrahs ici, ils les laissent courir par terre, donc c'est ce qu'ils disent pour protéger les raisins du soleil, mais nous, on fait la... Enfin, ce qui est en train de courir par terre, on est en train d'y enlever, quoi. Donc, je veux quelque chose de bien clairsemé. Mais donc, on est dans une zone ici qu'on appelle... Donc, on est sur les calcaires d'Agel, donc vous comprendrez mieux ce que c'est. Les calcaires d'Agel, on les retrouve à Saint-Jean-de-Minervois, ce sont les calcaires blancs, très aveuglants, on dirait de la neige. Et les grès s'appellent les grès d'Assignan, qui est un petit parfum qui se trouve à vol d'oiseau, à vol d'oiseau 5 km. Vous avez côte à côte un calcaire et là du grès. Donc vous imaginez la complexité des sols. Ça, c'est des animaux marins, oui. Le calcaire. C'est une compression de coraux, en fait, hein, d'ammonites, de trilobites, enfin tout ce que vous voulez. Et là, c'est uniquement des roches sédimentées, usées par l'eau et compressées après par la pression et la montée de température. Enfin, bon. Et puis, voilà ce qu'il y a dessous. Il y a quand même de la terre. Tous les tas de cailloux, ils ont été enlevés des vignes, hein, ou du chemin, pour faire le chemin. Donc, on va voir deux, trois beaux spécimens de murs. Et là, on voit bien les strates, les graviers, et après, ça se compacte. Donc voilà les jeunes grenaches donc, qui ont 10 ans. Alors les grenaches, en général, ils ne sont pas... palissé. Nous, on a choisi de le faire parce que quand ça souffle beaucoup, parce que c'est pas rare d'avoir 110, 120, 130 km/h, elle a la tendance à se coucher. Le vent dominant vient de l'ouest. Vous avez la montagne noire là. Tout ça, c'est des pierres qui ont été sorties à dos. Et pourquoi les avoir mis là, au lieu de les avoir mis sur le tour, ben, c'est parce que sous, il y a une espèce de grosse dalle qu'ils n'ont pas réussi à casser et la vigne ne leur a pas poussé dessus. Donc au lieu de porter un peu plus loin, ils ont tout mis en tas au fur et à mesure. On va voir si vous avez bien compris. C'est quoi ça? Grès. Calcaire. Grès. Calcaire. Grès. Entre les deux. Calcaire. Donc c'est pareil, on marche dans la parcelle, il y a des endroits où il y a un peu plus de cailloux, d'autres un peu moins. Mais enfin, bon, il faut voir un sol comme ça, regardez cette terre, on dirait la Bourgogne. Mais la prise de bois, au départ, on aurait dit un pinot noir. Comme quoi, bon, une balle lactique, il faut que ça se fasse en fût. Voilà, ça fait mourir le village. La 50-50 vin de table is made from Grenache, Cinsault, Carignan, on north-facing terroirs with sandstone-dominated soil. This wine is tank-made and tank-aged. Les Fontanies Minervois 2008, made with Grenache, Cinsault, Carignan, which also come from north-facing terroirs, with marne and sandstone soils. It is 1/3 barrel aged. La CEO de Minervois 2008 has Grenache, Carignan, and Syrah, but no Cinsault. It comes from a southern-facing limestone terroir and is 60% barrel aged. This is the beginning of Burgundy-styled fruit aromas in Minervois. Les Caritales Minervois 2008 comes from 90-year-old vines and chalky clay soils.
that Anne Gros compared to the Burgundy terroir of Richebourg. This wine is predominantly Carignan, but to have the AOC Minervois, it cannot be 100% Carignan. This wine is entirely wood-aged, with one-third new barrels.